Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Carrick Marseille. Avant toute chose, je tiens à remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir en description les liens vers cette application. Elle vous permet de savoir toute l'actualité sur les transferts, sur le foot, sur les mercato, sur les matchs. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description. Et du coup les gars, avant de commencer également, j'avais envie de vous demander à vous, il y aura un sondage sur la chaîne qui va vous permettre de savoir, enfin, il y a une question tout simplement, ce sondage, faut pas que j'oublie de le mettre, le sondage. Le sondage, c'est le suivant: est-ce que je continue cette hiérarchie pour une saison et je ne fais plus que les plus gros matchs, ou est-ce que j'en commence une nouvelle? Le sondage est simple: nouvelle carrière ou pas nouvelle carrière. Si je la continue, si je fais pas de nouvelle carrière, est-ce que je fais les plus gros matchs de cette de la prochaine saison? Voilà, je tiens à vous demander à vous, tous ensemble, ceux qui regardent, ceux qui regardent pas, pour avoir un avis d'ensemble de la communauté. Donc il y aura normalement le sondage qui est déjà dispo, vous avez jusqu'à descendre, aller dans l'onglet communauté et voir le sondage. Et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va quand même terminer cette carrière, en tout cas pour cette saison, aujourd'hui. Donc rien ne sert de dire dans les commentaires de cette vidéo, oui continue la carrière ou autre, ça ne sert à rien, faut aller voter sur le sondage, c'est ça qui est utile. Donc voilà, allez sur le sondage les gars et votez, sinon ça sert à rien de donner votre avis. On y va, je vais vous montrer le programme de cette vidéo. Du coup on a 5 matchs comme prévu, donc on va recevoir Nice, on va recevoir Dijon, on va recevoir Lille, on va aller à Guingamp et aller à Lyon pour cet épisode. Donc 3 matchs où on reçoit et 3 déplacements. Donc voilà, c'est plutôt plutôt sympa, on a des matchs sympas, en plus on a Lyon, qui on va terminer par l'OL, donc c'est plutôt plutôt cool. On m'a dit un truc dans les commentaires la dernière fois, donc comme quoi je les lis, de pas mettre un 4-2-2-2, mais de mettre autre chose, qui en fait en termes d'animation c'est pareil, mais c'est juste que les joueurs se placent mieux en 4-4-2 à plat. Voilà ce qu'on m'a dit, que les joueurs se plaçaient un peu mieux en 4-4-2 à plat, et que je devrais plutôt faire un 4-4-2 à plat. Voilà, je l'ai déjà dit assez de fois, 4-4-2 à plat. Je voulais juste voir un truc en termes de pied. Là c'est un pied gauche, là c'est un pied gauche aussi, ok. Et là, pied droit, ok. Bon, c'est tout ce que je voulais voir, on y va les gars, on va vraiment jouer avec la meilleure équipe possible, je pense. Pour terminer cette carrière, on va essayer de produire du beau jeu. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, ils sont là. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez les gars, et à voter, surtout sur le challenge, sur le vote, pour savoir si je continue ou pas la carrière. Voilà, je l'ai assez dit, je pense, on y va directement pour le gameplay, c'est parti pour les meilleures occasions. Oh, Fabien, ça passe. Fabien la passe pour Gerard Arrizabalaga, première parade dans ce match, plutôt bien faite cette parade, assez solide. Oh joli, superbe occasion, et le corner à suivre, très bien joué de la part avec, de notre part avec Pavon Maya et Talisca, peut-être une tête de Talisca. Grosse parade, très très grosse parade de Morenda que je ne connais pas. On enchaîne les bonnes occasions, on est bien rentré dans le match, franchement il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et la frappe pied droit, mauvais pied, mais on m'a dit d'ailleurs, on m'a dit un truc l'autre fois, dans les commentaires qui m'a fait rire, que je frappais du mauvais pied avec les joueurs avec lesquels je joue, sauf que beaucoup de mes joueurs ont 5 étoiles de mauvais pied, donc ils sont censés être bons des deux pieds, donc c'est un peu bête, mais bon, c'est pas grave, mais je promets de faire un effort sur les pieds, voilà, des mecs. Pavon, voilà, je fais un effort sur les pieds. Non, Pavon, tu sais qu'il est droitier quand même. On le sait. Et là, la frappe, elle est superbe. Elle est pas cadrée, donc elle aurait pu être encore plus belle. Là, superbement joué cette occasion avec Pavon dans la surface de réparation qui va provoquer. Frapper pied gauche et buter sur Morenda. Il y avait un gros tacle derrière sur Pavon. Il n'a pas été vu par l'arbitre. Allez, le corner à jouer. Et le poteau de Pavon. Pavon, même sur les corners, il est chaud. Bon, en tout cas, on me dit que je force un peu avec lui, mais il est tellement bon que c'est normal de forcer un peu avec lui. Je pense que si vous avez Neymar dans votre club, vous allez forcer avec. Pavon, c'est un peu pareil, à moindre mesure, mais il est très très bon, donc forcément que je m'en sers, quoi. Allez, pas mal ça, Batshuayi, qui rugit 1-0 pour l'OM. Je suis un peu décontracté aujourd'hui, donc normalement je devrais pas trop m'énerver. Je suis tranquille. Sachez que là je vais enchaîner plusieurs vidéos. Le jour où je tourne, j'ai déjà tourné l'épisode de samedi de la carrière avec l'Egypte en Coupe du Monde. Là je suis avec l'OM et je vais encore faire des vidéos. Je vais faire un pour la patrie, donc je vais faire pas mal de choses. Et c'est pour ça que je suis toujours habillé pareil, hein, c'est normal. Voilà. Allez, on mène 1-0, but de Batshuayi, but sympa. C'est son 17ème en Ligue 1 et on mène 1-0.
Oh, Jean-Michel Seri dans la surface de réparation. La frappe, elle est pas cadrée, mais c'est super. Attention quand même à cette équipe niçoise qui joue avec ses armes et qui est assez dangereux. On mène 1-0 à la mi-temps, faut poursuivre ainsi et essayer de breaker assez vite. Allez, Pavone vers l'avant, il est tout seul, il a du champ, le Pavone. Allez, voilà, le 2-0. Tranquille, tranquille, cette contre-attaque facile. Il essaie de jouer plus haut, le gym, et nous on les prend en contre. On l'a vu avec Pavone qui vient mettre le deuxième but, le break est fait. Bon, là, les défenseurs ils sont figés. Je sais pas ce qu'il fait dans le jeu en ce moment, mais c'est terrible. Hein. Voilà, 2-0, tranquillou, Pavone qui vient mettre son 17ème but, tout comme Batshuayi. La lutte entre les deux, bah, pour le meilleur buteur de Ligue 1, continue. 2-0, le break est fait, c'est tranquille, je pense que la victoire est assurée. Ah, et voilà, fin du match, victoire 2-0. Bon, match pas trop difficile, un peu remuant à un moment donné, où ils ont été un peu relous, mais ça va, au final, on arrive à faire le plus dur, marquer deux buts. On met plus, pas énormément de buts, mais souvent on n'encaisse pas, c'est ce qui fait qu'on arrive à gagner les matchs. Donc c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et voilà, on va continuer à croître notre avance en championnat. Cuisance qui poursuit sa progression. Allez, on va enchaîner les gars. On va essayer d'aller assez vite aujourd'hui, hein, parce qu'on peut-être que c'est le dernier épisode de cette carrière, je sais même pas, on verra selon vos votes. Hein. On a 4 points d'avance en tout cas, il reste 4 matchs. On va continuer, on est à domicile avec la même équipe et avec la même envie, c'est parti. Oh, bien joué Pavone, c'est magnifique, c'est superbe. Allez, 5 minutes, ouverture du score de l'OM avec un exploit encore une fois de Pavone. Superbement, il va enrouler pied droit, il a une qualité de frappe exceptionnelle. C'est vraiment un petit toucher, une petite patte de velours, magnifique. On va revoir cette action avec un jeu de passe intéressant. Là, hop, le râteau, la frappe pied droit dans les 16 mètres, facile, facile, vraiment très facile. Il met le 18ème but en Ligue 1 et on mène 1-0 déjà. Oh, c'est bien joué. Avec Mahrez. Oh, Mahrez, magnifique. Qui va la décaler à Morgan Sanson qui enroule. Et René, jolie parade de René. Et on a eu un bon travail de Mahrez avec des petites virgules. Au KLM, c'est Mahrez, il a des facilités apparemment. Très belle occasion, on a failli mettre le deuxième. Et il faut poursuivre et pousser dans ce match. Oh, bien joué Batshuayi qui va enrouler lui aussi. Encore une grosse parade de Baptiste René. Et c'est pas terminé. Avec Talisca. Sanson qui va la jouer sur Thiago Maia. Avec Mahrez maintenant. Mahrez qui va envelopper. Merci Mahrez. Et bien c'est. Hey, Mahrez il met le temps hein, pour marquer. Hein. La frappe elle est jolie, le 2-0. Le break de l'OM. Enfin, hein, enfin Mahrez. Et sans déconner, Mahrez il a mis le temps quand même à marquer des buts. Il le faut marquer, il le faut. Avec un joli travail. Là il a cherché l'espace. Il a trouvé et frappe pied gauche de son bon pied. Il va envelopper magnifiquement et on va mener 2-0. Premier but en Ligue 1. Ouh, Talisca de la tête sur ce corner, c'était intéressant. Après, on le sait, on est très bon sur corner. On en a mis beaucoup cette année. C'est vraiment l'un des points forts de l'équipe. Et là, on n'est pas loin une nouvelle fois de les trouver. Mais bon, là l'équipe, elle marche plutôt bien quand même. Je vois pas comment on pourrait perdre ce match. C'est le genre de truc qu'on dit qu'après on perd, mais... Mais bon, on va rien dire. Oula, attention à cet asiatique sur le côté. Soyunju, tranquille, qui arrête l'offensive adverse. Bien joué, bon ballon. Sur le côté préférentiel de Pavone. Pavone, et voilà, le doublé de Christian Pavone. Facile. Enfin, c'est le pilier droit de Pavone, c'est une dinguerie. Hein. Il a vraiment pris. La fin de saison qu'il fait, il a tellement pris une dimension énorme. Franchement, il a pris une dimension exceptionnelle. Bon là on le voit sur le côté, hein, sur son côté préférentiel, il fait pas de dribble, hein, juste dans les petits crochets courts. Et là tout le monde saute, tout le monde essaie de l'arrêter, mais ça veut pas, parce que c'est Pavone les gars. C'est Pavone, 19ème but en Ligue 1, c'est le meilleur buteur de cette Ligue 1 Conforama et on mène 3-0, facile. Et bien joué, Pavone pour Batshuayi, qui enveloppe lui aussi. Non, on y va sur les jolis buts, 4-0. Eh franchement, Pavone il donne des idées à Batshuayi. Hein. Quel but de Michy, magnifique. Il n'avait pas marqué pendant quelques temps, Michy Batshuayi. Mais là, il tenait deux buts en deux matchs. Bon, Pavone, il en a mis trois en deux matchs. C'est le défaut pour lui, mais déjà la passe de Pavone. Et Batshuayi qui t'enveloppe une frappe superbe.
Ah, René, il te prend 4 buts, hein. C'est dur pour lui. Allez, Pavone, encore une fois, c'est lui. Et là voilà, le triplé de Pavone. Ah, quel joueur. 5-0. Je disais que je mettais pas des gros scores, mais j'ai menti. J'ai menti. Triplé de Pavone, 5-0. Et encore une fois, un enveloppé pied droit. Hein, c'est, ça marche tout seul, donc je vais en abuser. Magnifique pull de grand-père. Non, vraiment très joli. Très joli ce but. Face au jeu, il fait un super contrôle orienté vers la droite. Et ensuite, il enveloppe pied droit. Voilà, c'est la Pavone. C'est la spéciale Pavone. Il vient mettre son 20e but en Ligue 1. Waouh, 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 waouh. 5-0. C'est magnifique. Et le match va se terminer en plus de ça. Ouais, du coup, je m'amuse. Hein. Je vous parle pas, mais je m'amuse. Vous inquiétez pas, les gars, tout va bien. Bon, allez, on est tout seul, on va frapper. Et... ouais, il fait des frappes molles hein, quand même. Hein. Je m'attends un petit peu mieux de la part de Mahrez, pied gauche. Et là, il nous a fait une frappe très molle. Donc voilà, le ballon du match pour Pavone, bien sûr, qui met un triplé. 20 buts en Ligue 1, c'est pas anodin, clairement. Et les deux frappes seulement des Dijonais. Ouais, match compliqué pour Dijon qui a pris 5-0 à l'extérieur. Et du coup, les gars, on est toujours premier. Pour l'instant, on a 7 points d'avance. On va voir ce que fait Paris. Mais je pense qu'on est clairement intouchable pour cette fin de saison. Je ne nous vois pas vraiment perdre 3 matchs là. Donc ça devrait aller, franchement. Le PSG qui n'a pas le droit à l'erreur en plus. Ils veulent vraiment nous coller. Donc ça va être difficile. On va jouer Lille quand même qui est 6ème. C'est pas un adversaire qu'il faut sous-estimer. C'est quand même une bonne équipe. On y va de suite. Vraiment, j'enchaîne les matchs, les gars. On y va pour le troisième match de la vidéo. Pas bonne. La frappe sur le gardien, Maignan, qui capte facilement. J'ai tenté un petit skill shot, tout ça, enfin une petite action skill, mais bon, le gardien, les gars, il a pas voulu que je marque. Bien joué, Batshuayi, super dribble. Pour Pavone, il est pas hors jeu. Ah bah non. Bien sûr que non, il est pas hors jeu. 21ème but de Pavone qui n'en finit plus de marquer. Il en est à 5 buts en 3 matchs. Dans la vidéo, je parle en plus. Donc voilà. OM1, Lille 0. Et la passe D de Michy Batshuayi. Très très bon sur cette passe. Beaucoup de vista. On va revoir ce bon dribble. Il était hors jeu. Il n'est plus hors jeu. Il s'aligne à la défense. Et il vient tromper tout le monde. Ça, c'est un vrai but d'attaquant. À la limite du hors jeu. Et voilà. 21ème but. On mène déjà 1-0. Bon, Mahrez, c'est pas mal. Hein. Bon, Mahrez, le petit crochet court. Mahrez dans la surface. Super. Mahrez. Il va s'appliquer. Oh l'équerre, quel manque de chance pour Mahrez qui fait une action exceptionnelle. Ouais, super action de Mahrez, je suis un peu... c'est vraiment dommage. Et là, Batshuayi qui va marquer le but de Michy. Je sais pas si ça va lui être attribué parce qu'on a Sliti qui la détourne de la tête sur ce corner. Tout part de Mahrez, il a pas de chance, il tape l'équerre alors que l'action était superbe. Et on mène 2-0. Voilà, c'est ce qu'on va souligner. Bon corner quand même. Et c'est attribué à Michy Batshuayi qui vient mettre son 19ème but. Il est en forme. J'ai une attaque de feu là. Vraiment, l'attaque, les gars. Pff, elle est XXL. C'est vraiment dommage de ne pas être allé plus loin en Ligue des Champions. Parce que là, vraiment, c'est top ce qu'on fait. Oh, Talisca. La jolie frappe de Talisca qui va obtenir ce corner. Non, Callum Chambers qui a bien défendu. Mais c'était une jolie option. Un joli long shot. Oh, c'est bien joué, c'est super. Batshuayi, le 3-0. Elle est magnifique l'action. Avec vraiment mes offensifs qui ont parlé. Enfin, ils ont vraiment montré leur qualité individuelle. Avec Pavone pour Talisca dans les petits espaces pour Batshuayi. La défense, elle s'est arrêtée. C'est ça le plus drôle. C'est que la défense s'arrête sur ce but là. Regardez ça, hop, tout le monde s'arrête. Et là, Batshuayi face au but. C'est Batshuayi quoi. Hein. Il sait clairement la mettre au fond. Le 20ème but de Batshuayi qui n'a pas dit son dernier mot pour la course au titre. Et il revient à une longueur de Christian Pavone. Oh, joli ballon. Gabriel dans la surface. Et Arrizabalaga qui fait le bon arrêt. C'est l'arrêt qu'il fallait. Bien joué Arrizabalaga. Kepa. Magnifique. Oh, Pavone. Allez, la course de Pavone. Allez, Pavone, il les aime bien. Pavone, je crois qu'il apprécie ce genre d'effort. Pour Batshuayi qui a failli encore une fois marquer un but. Il a failli être sur son triplé. Batshuayi, c'est bien dommage. J'aurais vraiment aimé le mettre, ses triplés. Oh, Fabian jusqu'au bout, qui a tenté son effort, qui a poursuivi. Il a essayé vraiment jusqu'au bout. C'est raté, mais c'était bien joué. Oh, ça fait dedans. Ça a été dévié par Michy Batshuayi. Non, mais en tout cas, ce coup franc était vraiment joliment tapé. Et c'était pas loin.
Ah, c'est bien joué. Allez, on va écarter jusqu'au bout avec Talisca dans la surface de réparation maintenant. Talisca qui va patienter, patienter. Avec Michy Batshuayi pour son triplé. Et voilà, le triplé, 4 à 0. C'est facile. Là, c'est très très simple. Forcément, hein, ils essaient d'être offensifs, mais voilà. Le triplé de Batshuayi qui revient à 21 buts, tout comme Pavone. Les deux joueurs, ils se rendent coup pour coup. Hein. C'est assez, assez étonnant. Et on ne sait pas qui va finir meilleur buteur entre les deux. C'est incroyable cette lutte. Voilà, et là, magnifique but de Batshuayi qui est très régulier. 21e but en Ligue 1 cette saison, tout comme Pavone. Ils ont le même nombre de buts. Voilà, c'est super. Franchement, superbe. En tout cas, superbe, comment dire ça, concurrence entre les deux. Hein, la concurrence, elle est saine, on peut le dire, parce que clairement, les deux, ils essayent de se bonifier. Et ils se bonifient tous les deux entre eux. Et c'est super, vraiment, c'est top. Ouais, le bon ballon donné à Pavone, qui va s'enfuir vers le but. Pavone, Pavone. Et c'est à côté. Pavone qui pouvait de nouveau battre Batshuayi en termes de but. Il n'a pas voulu, il n'a vraiment pas voulu. C'est dommage, on aurait pu mettre un 5-0 encore une fois. Allez, là voilà la fin du match. Les joueurs exultent. Tout le monde exulte. Ah, on a gagné le championnat, les gars. Mec, il a aucune réaction. Non, on le savait qu'on allait gagner le championnat. C'est pour ça que j'ai pas exulté. Mais en tout cas, les supporters, ils ont exulté. Les Marseillais, ils ont l'air contents. Et en plus, on a un super match avec un triplé de Batshuayi, un but de Pavone. Et c'était un sacré match. Hein. C'est un sacré match. On va regarder le lever de trophée quand même, je pense. Et ensuite, on fera les deux autres matchs en mode tranquille. Hein. Vraiment en mode tranquille. Allez, on va regarder la petite cérémonie rapido, vraiment rapido. Parce que c'est cool, je la vois pas souvent cette cérémonie. Souvent, je la zappe. Donc, on va la regarder un peu. Je vais pas dire grand chose, je vais juste vous laisser un peu contempler cette, ce trophée qui est là. Voilà. Allez, je crois que c'est Sanson le capitaine. C'est lui que j'ai mis capitaine. Et voilà. Au Vélodrome. On est champion de France. Pff, ah ouais, en même temps, on est porté par une attaque. Batshuayi-Pavone, c'est 42 buts. Hein. C'est dire. Non, c'est super. Je suis très content. Sacré équipe, en tout cas. Et sacré championnat. Le PSG qui est détrôné. Et on est qualifié pour la Ligue des Champions. Ça, c'est une certitude. On le savait, mais là, c'est sûr. Et en plus, on s'envole niveau points. Donc c'est tout, voilà, c'est super. Simplement. Je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment très très cool. Je pense que les supporters marseillais, je serai content. Hein, et je pense qu'on arrive à faire une sacrée équipe quand même. Hein. Franchement, elle est plutôt jolie en 3 saisons, c'est pas trop trop mal. Allez, on va terminer les deux matchs pour finir la saison. Et pour bien clôturer cette carrière peut-être, je sais pas, ça dépendra de vos votes encore une fois, je me répète. Ouais, bon, les entraînements, ils changera s'il y a une prochaine saison. Je l'ai fait quand même, hein, au cas où il y a une nouvelle saison, mais vraiment pour la forme. Allez, on va jouer Guingamp à l'extérieur, c'est parti. Et on va jouer en bleu, bien sûr. J'aurais peut-être envie de mettre un petit peu de Origi, sinon il va faire la gueule. Donc on va faire jouer Origi un petit peu. Et voilà, allez, c'est parti les gars pour ce match. Oh, c'était sympa, pied gauche, mauvais pied pour Pavone, action sympatoche, on va pas dire le contraire, ça a essayé de jouer au football un peu et faire du beau jeu, c'est toujours ce qu'on aime de toute façon. Bon, bien joué, allez Mahrez qui enroule, un peu trop fort, un petit peu trop de puissance pour Mahrez qui a l'air d'être en forme en tout cas, donc faut essayer de jouer sur lui parce qu'il a l'air chaud. Bien joué Michy. Oh, c'était loin pour Rose qui avait fait l'effort. Johnson qui a fait une très bonne montée. Et ça nous a un petit peu empêché de frapper. C'est dommage, ça pouvait être super. Bon, bien joué Batshuayi, c'est superbe. Ça, c'est magnifique. 45e plus 2. Et on vient marquer, les gars, le premier but de ce match. Batshuayi dans un match compliqué où les autres font que défendre. Ils sont un peu relous, ils sont chiants. Et on a enfin trouvé la faille avec un Batshuayi. Encore une fois, des grands soirs, j'ai l'impression. Qui vient mettre son 22e but en Ligue 1. Ça frappe pied droit. Il va lui mettre une petite semelle à l'autre joueur après. Mais surtout, c'est millimétré. Et c'est un but qui va même pas être attribué à Batshuayi. C'est Horn, apparemment, contre 50 qui va le mettre. Donc, pas de 22e but pour Batshuayi. Ah ouais, terrible.
Oh là 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 là, Batshuayi quel raté, avec ce centre super de Mahrez pied droit. Et ensuite, Batshuayi, je pensais qu'il allait la mettre au fond, vraiment, même la trajectoire de la balle. Mais finalement, ça passe à côté. Oh, c'est joli! Super action de Mahrez, très bel enchaînement. Avec le crochet et ensuite la jolie frappe. C'est bien dommage. Ouais, Origi, il a pas envie dans ce match. Hein. Franchement, Origi, il a rien fait du match. Et bon, faudrait mettre le break parce qu'on n'est pas, on n'est pas serein tant qu'on a un seul but d'avance. Parce que bon, ils ont quand même des qualités, notamment là, vu qu'il n'y a pas hors-jeu. Avec Juanpi, Arrizabalaga, heureusement que c'est un joueur assez grand. Parce que sinon, je vous raconte pas le danger dans la cage. Attention, à dos, l'enroulé, à côté, heureusement que c'est à côté, des changements côté Guingampais, ils essaient vraiment de revenir dans le match. Bon, après on a une belle maîtrise, c'est pas le meilleur match qu'on ait fait, franchement, mais bonne maîtrise, ça suffit. Pavone, il a pas été forcément en jambe aujourd'hui, il a été vraiment privé de ballon, et quand il en avait, ben, ça venait fort sur lui, et ça voulait pas qu'il le touche très longtemps. Attention quand même à Coco, et son très bon match. Et voilà, c'est terminé, la victoire 1-0. Quand même, on arrive à s'imposer. C'est le plus important, gagner les matchs. Bien finir la saison. Et là, on va jouer contre l'OL dans le dernier match de la saison. Hop, Lyon, 5e. Nous, on est premiers, bien sûr. Et on va y aller, tranquillou. Allez, ça va augmenter un petit peu les notes des joueurs. Allez, vamos. Vamos, vamos. Lyon qui est assuré de finir 5e, quoi qu'il arrive. Voilà, ils ont rien à jouer. Et juste après ce match, on fera un petit rapport de cette saison rapido. Voilà, histoire de tranquillement finir la carrière. On y va pour ce dernier match de cette saison. C'est parti. Memphis sur le côté. Le centre de Memphis. Brooks. Darder qui revient. Le poteau de Sergi Darder. Ah, Darder, quel diable ce Darder. Incroyable joueur, le meilleur joueur de la planète, Darder. Et attention quand même, voilà, bien contenté. En tout cas, ils ont fait un gros début de match, les Lyonnais, avec Sergi Darder. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement, de toute façon, Darder, attention. Et Rose, très belle défense, il commence fort ce match, les Lyonnais. Attention, la Lamela, le retour et Mariano. Oh là là, quel raté Anderson. Andersen qui en plus va toucher la transversale. C'est terrible cette occasion lyonnaise. Qui par contre fait un gros début de match, y'a rien à dire. Et ils ont raté deux fois deux énormes occasions. Ah, ça c'est bien joué. C'est bien joué Batshuayi qui va le redonner à Pavone. Pavone, il a essayé d'envelopper. Il a pas eu trop le temps d'ajuster. Lopez attentif. Bien joué Mahrez. Avec Michi. Michi tout au fond. Pour Talisca. Allez Talisca. Talisca! Anthony Lopez qui est, ouais, qui est attentif. En plus, c'est un bon gardien, Anthony Lopez. Et dans le jeu, il a une bonne progression en plus de ça. Oh là, Touzard, c'est quoi ça? Putain, magnifique défense de Touzard. Il a l'air très très chaud, Touzard, dans ce match. Et même dans le jeu, là, il doit avoir un sacré général. Oh, bien joué ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique le petit numéro de Mahrez qui la décale maintenant. Pour Batshuayi qui a tenté le coup. Ça a été touché quand même hein, dans cette occasion. Et on a un corner dans la foulée. Dégagé de la tête par le diable de Sergi Darder. Attention Anderson. Anderson qui vient marquer pour l'OL. C'est mérité. Tant on est mauvais et on n'est pas bon dans ce match. J'aime pas du tout le match qu'on fait pour l'instant. Je sais pas, on n'est pas bon. On est clairement pas bon. C'est dommage parce que bon, voilà, c'est le dernier match de la saison. Après le match, il n'y a pas d'enjeu. Mais bon, c'est toujours mieux de gagner, on va pas se mentir quoi. Memphis côté gauche. Memphis côté gauche. Qui va centrer pour la Mela. Il va y avoir un carton jaune pour Léo Dubois. Qui prend un jaune lui qui va être transféré à Lyon. Qui est lyonnais hein, maintenant à partir de la prochaine saison. Mais c'est vrai que là dans ce match, et souvent contre Lyon, j'ai beaucoup de mal. Donc je sais pas parce que je suis supporter lyonnais que ça me fait ça, mais je sais pas. J'ai beaucoup de mal à jouer contre les Lyonnais à chaque fois que je les joue. Oh bien joué, magnifique. Non Michi, il fallait la mettre celle-là. Michi Batshuayi qui rate des actions qu'il ne rate pas en temps normal. Et du coup c'est dommage, vraiment dommage. Oh là là, oh c'est Younju qui a essayé de prolonger le ballon, mais voilà, c'est ce Younju quoi, il est pas habitué à faire ce genre de tir, frappe, passe, je sais pas, mais c'était un peu bizarre. Oh bien joué. Bien joué avec Batshuayi. Mais non mais Lopez, il est trop fort. Anthony Lopez, il est imprenable. Vraiment, c'est incroyable. Franchement, il te fait des arrêts, Anthony Lopez.
Il arrête tout quoi, il arrête tout le mec. Oh et Memphis. Memphis qui va buter sur Kepa. Et le corner pour l'OL avec un Memphis qui est vraiment en jambe dans ce match. Oh là là, attention, c'est Dibé, Djibril, Sidibé à côté. Oh, je craque, hein. Le craquage de Pavone. Est-ce que je prends un rouge? Oui, c'est beau, c'est magnifique. Le carton rouge, c'est le rouge pour Christian Pavone. Bon, j'ai craqué, ça m'a saoulé. Non, mais ce match, il est très très chiant. Il est frustrant, j'ai pas envie de m'énerver en plus aujourd'hui, donc... voilà, hein, ce carton rouge, ça va, merci, merci, au revoir. C'est parce que vraiment ça m'a saoulé, hein. Pavone qui craque complètement. Allez, peut-être une dernière occasion dans ce match avec Riyad Mahrez. Mahrez qui enveloppe. Et voilà, toujours Anthony Lopez. Et voilà, bon, ben voilà, c'est terminé, on va perdre contre Lyon au final. Et on va terminer la saison là-dessus. Je vous montre le classement final et le petit rapport d'équipe. Et on se laisse là, les gars, pour cette vidéo. Donc, voici le podium. Marseille-Paris-Bordeaux. Bordeaux qui fait une bonne saison. Monaco-Lyon ensuite. Et les relégués sont Reims-Nancy 3. Voilà, les gars. Je vous montre les vainqueurs en Europa League. On ne sait pas. On verra ça prochainement s'il y a une prochaine vidéo. Mais j'ai pas envie de faire la simulation. J'ai la flemme. Voilà, et on va regarder le rapport d'équipe. Alors, le rapport d'équipe, le meilleur buteur, c'est Michy Batshuayi, toute compète confondue cette saison avec 28 buts. Il est devant Pavone, qui a 26 buts. Mais bon, quand même, c'est absolument abusé les deux joueurs, ce qu'ils ont fait cette année, c'est énorme. Talisca, 14 buts, Origi, 11 buts. Voilà, c'est pas mal. 16 passes D pour Talisca, 10 pour Batshuayi quand même, c'est plutôt beaucoup. On a Pavone à 4 passes D. En termes d'augmentation des joueurs, on a eu un plus 5 pour Cuisance et Zagadou. Donc les deux joueurs ont pas mal progressé. Des plus 4 également pour Alenia qui pointe le bout de son nez quand même. Faut pas dire le contraire. Et d'autres joueurs qui ont continué leur progression globale cette saison. Allez, belle équipe. Franchement, belle équipe. J'espère que ça vous a plu les gars. Je vous fais des gros bisous. On verra s'il y aura une suite. Faut aussi moi que j'en ai envie. Donc je verrai. Je ferai en fonction des votes et de mes envies. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était SD. On se retrouve demain. Tchuss. Moving through my whole body.